Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième cycle de la Maison de l'architecture, Les voies inédites. Bienvenue dans cette troisième téléconférence de la Maison de l'architecture, après le premier cycle de conférences sur Zoom et retransmises en Facebook Live, intitulé Les voies déconfinées, puis Les voies photographiées, que vous pouvez revoir sur la page Facebook de la Maison de l'architecture ou sur notre chaîne YouTube. Pour ce troisième cycle, Les voies inédites cette fois. Nous avons invité la semaine dernière Lina Gotmeh, architecte franco-libanaise, qui nous a livré une vision magnifique et positive d'une manière de penser Beyrouth, penser avec un grand A, penser avec un A au milieu. Et ce soir, alors, nous avons le plaisir d'inviter Youssef Thomé. Bonjour Youssef Thomé. Bonjour Olivier. Bienvenue. Alors juste, je vous présente un petit peu. Vous êtes diplômé de l'école d'architecture de Paris Villemain, où vous avez enseigné en 2004. Et en 2001 et 2002, vous avez travaillé comme chargé d'études et réaménagement de la gare de Sterlitz chez AREP. Parallèlement, vous avez toujours gardé un pied au Liban pour mener des projets personnels en association avec l'agence 109 Architectes, dont le campus de l'innovation, de l'économie et du sport à Beyrouth, l'USJ, actuellement construit, on le verra un petit peu tout à l'heure. Et c'est en janvier 2008 que vous avez ouvert une agence au Liban, s'appelle donc YTAA pour Youssef Thomé Architecte et Associés, and Associates, avec deux associés, Roger Acoury et Anastasia Elrous, et une antenne à Paris. Vous êtes là aussi l'auteur d'une magnifique étude urbaine à Bordeaux que j'ai pu voir, et sur un territoire d'une soixantaine d'hectares à Brazza, sur la rive droite de Bordeaux. Alors, après avoir fait un peu cette présentation de tout votre parcours, nous avons voulu vous inviter pour parler un peu de ce drame qui avait eu lieu le 4 août à Beyrouth. Et j'ai aussi la même question que j'avais posée à Lina la semaine dernière. Qu'avez-vous ressenti après cette explosion ce soir du 4 août? D'abord, je pense qu'il n'y a pas de mot qui peut décrire ce que j'ai ressenti, d'ailleurs ce que la plupart des Libanais ont ressenti, parce que c'est un peu une mort annoncée, mais là, c'était la mort. C'est-à-dire comme si vous attendez, mais vous ne voulez pas croire qu'une ville ou un pays est malade et qu'il est mort. Et puis tout d'un coup, en fait, il y a cette explosion qui est le point T, et là, il est mort. Et donc, vous êtes un peu anéanti. Après, moi, je n'étais pas là-bas, donc, durant l'explosion. Donc, j'imagine que c'est moins dur pour moi que pour les gens qui ont été traversés par le souffle physique, qui ont été projetés. Par cette violence et surtout vraiment il y a j'ai parlé avec des gens beaucoup là-bas parce que je viens d'arriver du Liban et donc c'est très très difficile parce que ils savent pas ils n'arrivent pas à le décrire, il n'y a pas de mots. C'est comme si vous par exemple quand vous perdez votre femme ou vous êtes veuf, vous perdez vos parents, vous êtes orphelin. Mais quand vous perdez votre enfant, il n'y a pas de mots. C'est tellement dur qu'il n'y a rien qui peut représenter ça. Et je pense que c'est ça qu'on ressent tous à Beyrouth. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à décrire et ça va prendre beaucoup de temps pour pouvoir en parler. D'ailleurs, on en a parlé tous les deux et je vous ai déjà dit que j'ai beaucoup de mal. Ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir participer à ce genre de discussion. Voilà. Parce qu'il y a encore des gens qui sont. C'est-à-dire que le malheur des gens, quand vous allez là-bas, c'est pour ça que je l'ai appelé les spectres de Beyrouth, parce que on sent comme ça une ville qui est un peu. C'est des morts vivants. On a l'impression que c'est plus que des fantômes. Parce que les fantômes, des fois, ils sont gentils, quoi. Là, c'est vraiment, c'est des morts vivants. On sent comme ça que la mort traverse Beyrouth d'une façon très, très dure. Donc, voilà, je sais pas,
Il n'y a pas de mots. Donc, On a vu pour une dire image ce là tout que. à l'heure effectivement de l'ampleur de cette une photo qu'on a vue un peu partout de l'ampleur de ce drame. On voit comme une sorte de grand cratère presque hein, tout autour et on imagine bien tout au loin là les tours qui ont été dévastées. Oui, mais c'est Ça, sur des, on a vu sur certaines illustrations la semaine dernière que nous avait proposé Lina Gautmet, c'était impressionnant. oui, c'est-à-dire que quand vous vous baladez derrière dans la rue parallèle de celle que vous voyez là sur l'autoroute, la rue de Jemaa-Isé Mal-Mkhaïeb, c'est une ville fantôme. C'est-à-dire que on voit pas, il n'y a pas de monde. C'est encore pire, je pense, maintenant parce que il n'y a même pas les débris. En fait, grâce aux jeunes, des débris, cette ville-là, grâce aux initiatives privées, aux associations, donc tout ça, ça a été un peu nettoyé pour que les gens puissent de nouveau revenir à leur maison, un peu inspecter leur vie, quoi. Et là, on voit qu'il n'y a pas de débris, mais il n'y a pas de monde. Et je pense qu'une ville sans monde, c'est là qu'elle est en ruine. C'est là où on sent que c'est vraiment, on atteint l'essence, on tape l'essence d'un lieu. C'est quand on lui enlève la vie, l'énergie qu'il y a dedans. Et il n'y a pas d'énergie. Alors, vous parlez de ruines justement, mais Beyrouth a déjà été quasiment en ruine, enfin quasiment, pas les mêmes ruines, pendant la guerre de Beyrouth. Quel constat faisiez-vous juste avant l'explosion du 4 août de la reconstruction de Beyrouth, de cette ruine d'après-guerre? Bah, il faut savoir que la guerre du Liban est très complexe. C'est-à-dire que c'est une guerre qu'on n'aura même pas le temps d'expliquer, mais il faut comprendre que, en tout cas, ce qui est ressorti de cette guerre, c'est, bon, on se bat, mais à la fin, on doit vivre ensemble. On s'est battu, les uns contre les autres, les uns avec les autres. Personne n'a compris pourquoi finalement on est dirigé par des politiciens qui eux changent par rapport à leurs intérêts, aux intérêts qui viennent de l'étranger. Donc malheureusement on n'arrive pas encore à trouver le souffle pour renverser ou en tout cas pour éloigner tous ces gens-là et vivre ensemble d'une façon sereine, parce que moi j'y crois et je pense que la nouvelle génération, elle y croit. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que après la guerre, on a essayé de dire, bon, on va vivre ensemble, donc on va reconstruire le centre-ville. Et le centre-ville, ce qu'on a appelé solidaire. Donc, il y a un premier ministre qui avait tous les pouvoirs, qui vient, ce qui est bien, c'est qu'il dit, voilà, ce qui représente un peu le vivre ensemble, c'est de, quand on peut reconstruire à l'identique, on reconstruit, quand on peut arranger, on arrange, et en même temps, on montre, surtout, on fait attention à l'espace public. C'est-à-dire que les trottoirs, les bâtiments, on crée une harmonie pour montrer qu'on peut vivre ensemble. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, il y a eu un projet ambitieux, mais qui répond à plein de critères que nous, on en avait besoin. C'est-à-dire que de dire, oui, il y a un trottoir, oui, il y a des arbres, oui. On se respecte les uns des autres. Il y a un vrai, il y a une vraie règle qui érige un peu tous ces bâtiments, tout cet environnement. Ce qui était très, très bien en soi, d'une façon morphologique, mais en même temps, une ville, ce n'est pas juste une morphologie. C'est-à-dire que la ville de Beyrouth, ce qui la caractérise, depuis toujours, et ce qui caractérise Beyrouth et le Liban, c'est que c'est une vraie mixité. C'est une vraie mixité sociale, économique. Et donc, tous ces gens, toute cette mixité vivait à Beyrouth.
Et on a racheté ça et on a donné des actions à la place et on a construit à l'identique ou pas, peu importe. Donc, on a créé une morphologie qui ressemble ou qui pourrait ressembler à être ensemble ou à Beyrouth, telle qu'on la voit, sauf que les programmes, les gens qui l'habitent n'étaient plus les mêmes. Et donc, ce qui fait que il y avait juste une catégorie, c'était un centre-ville pour les riches, et donc les gens ont déserté, la communauté a déserté, plein de communautés ont déserté, et donc on s'est retrouvé avec une ville qui de plus en plus devenait fantôme. On la voit dans la photo d'avant, ce que vous avez. Voilà, on la voit ici. Et donc c'est une ville, là c'est exagéré, parce que, mais en même temps, elle retrace un peu cette histoire de comment on a enlevé les gens de cette ville, on a enlevé la vraie mixité. Après, quand on a été pris par une crise économique, et ben donc, voilà, les gens n'ont pas pu rester dans la ville, et donc ça a fait un centre-ville qui est vide. La deuxième chose qu'ils ont oublié aussi de faire, la mobilité. C'est de réfléchir, d'anticiper la mobilité, les voies douces, la mobilité douce, et des espaces publics végétales. Donc, on se retrouve avec une ville, un centre-ville qui est minéral, qui est fait d'une façon. On ne va pas critiquer la morphologie, puisque, comme je vous ai dit, on avait besoin tous de ça et on était content qu'il y ait au moins quelque chose où il y a une vraie réglementation, mais c'était vidé de ses habitants et de ce qui fabrique une ville qui est surtout le Liban, qui est un pays de diversité, de mixité, et donc on s'y retrouvait pas. Et donc une grande catégorie des gens ont déserté le centre-ville de Solidaire. Et économiquement, ça a été, par contre, la reconstruction s'est faite quand même correctement, d'un point de vue économique, financier, en termes d'immobilier, on voit qu'il y a quand Bah, même. c'est-à-dire que ça, c'est un sujet qui est de l'ordre politique. C'est-à-dire que, vous savez, à Beyrouth, comment dire, c'est plusieurs États à l'intérieur de l'État, qui, lui, l'État, le grand État, n'existe pas, à mon avis, hein. Parce qu'il n'y a pas de vision d'ensemble. Il y a juste, chacun essaye d'arranger son quartier, et chacun essaye de faire attention à ces hommes qui vont de nouveau le réélire, et c'est comme ça qu'il reste sur place. Donc, ce qui s'est passé, je veux dire, à Solidaire, je me répète, c'est-à-dire, il y a un point positif, qui est qu'on a réussi quand même à dire, voilà, on a une image de ce vivre ensemble. Le problème, c'est que c'est juste une image. C'est pas, alors qu'on avait besoin d'un coup de force de dire, voilà, parce que sinon, allez-y, essayez de faire un espace public au Liban ou essayez de faire quelque chose qui a une plus grande échelle d'une rue. C'est impossible. Mais Tout pourtant, il y a d'un des coup, ça espaces devient. publics. Il y a des espaces publics au Liban. Enfin, je ne sais pas s'ils sont publics, mais il y a des espaces dans lesquels les gens peuvent se retrouver, se croiser, etc. Alors, c'est peut-être des espaces privés, mais qui sont d'usage public. Alors, quels En que soient. général, maintenant, c'est-à-dire que les vrais espaces, des espaces publics au Liban, je cherche, hein, c'est-à-dire à part la Raouché, qui est la corniche, on va dire, la corniche qui longe. C'est le seul espace public, à mon avis, où il y a une mixité. Il y a aussi le bois, la forêt des pins qui est derrière, à côté de l'ambassade, Mais qui n'est pas accessible vraiment au qui n'est public. pas accessible, mais je trouve que ça pourrait être un vrai espace public,
parce que le paysage, il n'a pas de connotation sociale au Liban, parce que il n'a pas de connotation, je veux dire, symbolique, sociale et économique. Donc, il peut devenir, cela peut devenir un vrai lieu. C'est un peu comme le Hyde Park ou le Central Park, c'est-à-dire que on voit une vraie mixité et tout le monde est là et ça n'a pas de connotation. Et donc, on peut se sentir libre à l'intérieur et c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est un vrai espace public Surtout, qu'on ce devrait bois des bois est ouvrir. situé en plein milieu de la ville et surtout à l'articulation de différents quartiers très différents. Oui, mais ça aussi, Bien. c'est une question politique. C'est-à-dire que pourquoi il n'ouvre pas, je ne sais pas. Mais ça, c'est pour moi, ça, c'est un poumon qui doit ouvrir et qui est très intéressant, même symboliquement. C'est-à-dire que le paysage, la végétation, un espace, un poumon vert comme ça au centre de Beyrouth, parce que Beyrouth, il faut savoir que c'est une ville qui est très, très bruyante. Hein, et donc, moi, je pense qu'il faut des endroits de silence. Il faut des pensoirs silencieux, comme disait dans une phrase Nietzsche. C'est-à-dire qu'il faut des endroits où vraiment on peut se retrouver seul, mais relié aux autres. Ce qui n'arrive pas parce qu'à Beyrouth, la promiscuité peut être aussi. C'est quelque chose qui est intéressant, cet échange, cette intensité que tu vis à Beyrouth, mais en même temps, même chez toi, les gens sonnent chez toi, ils viennent sans te prévenir, ce qui est très sympa. Mais donc, t'es jamais vraiment, t'as pas de lieu où tu peux dire, voilà, je suis seul, je peux lire, voilà. Et donc, oui, mais il n'y a pas d'autres espaces publics, non, on est en manque. Après, il y a les espaces qui sont plutôt délaissés. Ceux-là sont intéressants, c'est-à-dire que il y a comme ça des espaces, des entre-deux qui sont un peu délaissés. Et là, ils sont intéressants parce qu'ils sont investis. Et quand on voit, même quand on se balade sur les trottoirs à Beyrouth, ce qui est intéressant, c'est que la limite, par exemple, ce qu'on a vu ici après le confinement, nous, on l'a sans le confinement. Je m'explique. Quand la maire de Paris a dit, vous pouvez utiliser les trottoirs, Paris est devenue beaucoup plus joyeuse parce que tout d'un coup, on a investi les trottoirs et on a mis les chaises dehors. Et là, ça a créé comme ça une vraie proximité entre les passants, les gens. Et puis, il n'y avait pas cette idée de rigidité, de limite. Mais ça, on le vit, c'est ce qui fait la beauté de Beyrouth, c'est que nous, on le vit tout le temps. Et donc, c'est toujours un espace de négociation. On se dit, tiens, tu mets ta chaise, puis l'autre, il vient, il dit non, mais pousse-la un peu. Et donc, ça crée toujours des espaces de convivialité et d'échange, en tout cas, ou d'intensité, qui sont. Après, tu peux trouver des voitures qui se garent sur les trottoirs et qui coupent le trottoir. Mais ça fait partie un peu de comment on vit. Mais on manque. Pardon, c'est une forme de spontanéité qui est finalement assez bien, assez riche, liée à la culture libanaise. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est ce qui fait je pense, notre culture. C'est-à-dire que il y a cet échange qui est un peu spontané. Il y a ce qui peut créer un vrai échange parce que tu n'es pas, je veux dire, dans des limites. Tu n'es pas limité et tu n'oses. Ici, par exemple, quand on travaille, tout de suite, on va te dire oui, mais tu ne peux pas parce qu'on va anticiper les accidents, les échanges. Qu'est-ce que ça va engendrer, tout ça. Là-bas, non. C'est-à-dire qu'on y va et puis on verra qu'est-ce que ça donne. Donc, ça crée des imprévus qui sont assez intéressants. Mais ce qui manque quand même, c'est une vision d'ensemble. C'est-à-dire que le monde ne peut pas vivre juste en tout cas, une société, à mon avis, hein, ne peut pas vivre que par des initiatives privées et des échanges. Et des négociations, il faut qu'il y ait une vision C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision publique. publique. En tout cas, non, il n'y a pas de vision publique parce qu'on n'arrive pas à. C'est-à-dire que
on n'arrive pas à s'entendre sur une vision publique parce que on a même des références culturelles qui le Liban, il y a plusieurs confessions qui ont des références culturelles différentes, d'histoire, d'origine, et donc tout ça c'est ancré et dans le paysage libanais, et ce qui fait que c'est très difficile de dire voilà, c'est comme ça ou c'est comme si. C'est pour ça que moi je pensais que après cette guerre, on pouvait créer notre propre, je vais dire, image de nous-mêmes ou représentation de nous-mêmes. C'était une chance pour nous parce que cette diversité, cette mixité, et on avait beaucoup d'espoir pour arriver à. On pensait que ça allait marcher, c'est-à-dire que cette idée de je vais dire d'être dans un monde sans référence, c'est-à-dire en même temps accroché, et c'est ça qui caractérisait le Liban et qui caractérisait tous ces gens et tout. Mais on a vu que c'était pas évident et que voilà, cette bombe-là est venue nous rappeler que c'est très difficile encore, on a beaucoup de difficultés à accepter l'autre et à comprendre le Liban comme une grande entité. On le regarde toujours par quartier, par confession, par des points de vue qui sont très spécifiques et très particuliers. Je pense que on n'a pas imaginé le Liban comme ça, comme moi j'essayais de l'imaginer. C'est-à-dire que c'est plutôt ce qui nous différencie, qui fait que c'est intéressant, ou ce qui nous relie aussi, mais pas des références qui sont encore amenées de l'étranger, encore tout ça. On pouvait créer notre propre moteur parce qu'on a une énergie assez particulière. On a déjà une géographie particulière. C'est-à-dire que c'est quand même un pays où la mer, elle le prolonge de bout en bout, c'est-à-dire du sud au nord. Donc, d'ailleurs, la catastrophe est venue par la mer. C'est un navire qui est venu par la mer et qui a déposé ça. Et donc, cette mer-là, c'était un échappatoire pour nous tout le temps. C'était un imprévu qui pouvait être positif. Mais en même temps, ça nous a empêchés toujours de se révolter. Parce qu'on n'a jamais été dans un cul-de-sac, on va dire, ou je ne sais pas, mis au coin comme ça, pour se dire, bon, vous n'avez pas le choix. Regardez maintenant, après cette explosion, le nombre de gens qui vont partir, qui sont déjà partis ou qui aimeraient partir. Et donc, Alors, c'est je très rappelle juste que difficile. cette séance est en direct, hein, donc les internautes qui regardent peuvent poser des questions à Youssef Tomé. Il peut y répondre en direct. Et d'ailleurs, j'ai déjà une première question de Jérôme Balavoine sur la notion sur les riches, le fait que les touristes ne viennent plus, les prix sont prohibitifs. Et pour les Libanais, il y a plus mixité, en fait, comme avant dans les souks. Et Solidaire a plutôt exproprié les propriétaires du centre-ville contre les actions Solidaire, qui ont perdu leur valeur quelques temps après, et les Libanais ont été spoilés. Alors, on s'était dit, voilà, on va éviter de parler de politique. Non, mais c'est ce que j'ai dit, hein. Il a raison. Voilà, C'est-à-dire mais c'est que ça, voilà, c'est exactement ça. Et alors, c'est quoi justement, la question? c'est plus une remarque qu'une question, hein, à Mais vrai il a dire. raison. Il a raison. Alors, Malheureusement. sur ce constat, du coup, qui est quand même assez difficile, comment on peut reconstruire Beyrouth après cette explosion? Donc, est-ce que c'est les mêmes problèmes ou est-ce que ce n'est pas les mêmes problèmes? Il y a quand même quelque chose qui a un petit peu changé, en fait, hein, par rapport au Je secteur de pense route. que. Moi, je suis assez pessimiste pour notre génération. Par contre, je suis très optimiste pour les jeunes parce que je pense que peut-être, en tout cas, c'est peut-être par les réseaux sociaux ou Internet ou tout ça, leur territoire s'est agrandi. Ils sont plus limités à leur chef de parti, à leur. En tout cas, j'aimerais croire à un territoire physique et très proche avec
avec des, comment dire, des doctrines qui sont assez quand même très limitées. Je pense que la jeune génération, elle est beaucoup plus ouverte. Elle est grâce, comme j'ai dit, à Internet et à tout ça. Et donc, ce qui fait que elle, à mon avis, elle a une chance, parce que je pense qu'elle va comprendre que, en tout cas, ce qui nous caractérise à nous, elle va essayer de comprendre, d'analyser, de ne pas aller chercher ailleurs, parce que de toute façon, tous, on est aussi un peu d'ailleurs, tous, moi, ça fait depuis 88 que je suis entre la France et le Liban, donc on est tous. Entre les deux, on est toujours ou au Liban ou ailleurs, au Brésil ou aux États-Unis et tout. Donc, on a cette richesse qui est ancrée en nous. Et cette nouvelle génération, je pense qu'il faut qu'elle regarde vraiment son territoire, le territoire, la géographie, ce qui nous renforce et qu'elle se libère de, elle se libère des codes qui nous ont et de la politique. Et de ces chefs de parti qui nous ont gouvernés depuis toujours et qui sont là parce que vous me posez une question, la reconstruction, mais est-ce qu'on peut faire une seule architecture sans une pensée politique? Non. Donc, est-ce qu'il faut arranger la politique pour reconstruire Beyrouth? On ne peut pas, c'est-à-dire, sinon ça va être mal reconstruit, je vous dis tout de suite, sinon ça va être juste. Voilà, une idée qui représente un parti ou une catégorie, alors que ce n'est pas ça. Tant qu'il n'y a pas cette vision globale de quel Liban on veut, comment on peut vivre ensemble et comment on peut partager ce qui nous reste en acceptant les autres, parce que c'est ça qui fait qu'on arrive toujours à nous mettre les uns sur les autres. C'est que tout de suite, c'est la hantise de l'autre pense différemment que toi, l'autre, il prie pas la même chose, et tout d'un coup, ça recommence. Dès qu'il y a comme ça, dès que les chefs de parti, en tout cas, sentent qu'il y a, il faut qu'ils ramènent les gens vers eux, ils cliquent sur la fibre religieuse, et chacun va vers sa culture parce qu'il a peur du changement, et il a peur, et personne n'a envie de. La religion, c'est quelque chose d'intime. Personne n'a envie de suivre quelle religion que soit. Sauf qu'au Liban, elle est très présente et c'est malheureux. Elle est présente dans la vie politique et sociale et urbaine et donc il faut qu'elle cesse et il faut travailler comme un pays normal. C'est-à-dire que déjà se débarrasser de ces idées-là. Et réfléchir comment on peut vivre ensemble et après reconstruire Beyrouth. On a vu que qu'après l'explosion, il y a eu très rapidement des manifestations de citoyens. Bon, alors certains disent que c'était politique, d'autres non, mais il y a eu quand même une certaine volonté pour avoir son mot à dire, pour s'exprimer sur ce pays, cette ville, prendre le pouvoir en main. Est-ce que ça peut être je sais pas, une voie pour la reconstruction ou est-ce que c'est quelque chose qui est décalé, séparé? Ça c'est un mal profond. C'est-à-dire que moi, par exemple, moi, je ne suis dans aucun parti, je suis apolitique, j'aime pas les politiciens au Liban, aucun. Et en même temps, il y a plein de gens, je pense, comme moi, qui sont là, qui ont envie juste de vivre sainement et sereinement dans un pays libre. Le problème, il est qu'ils sont là. Et les enlever, ce n'est pas évident. Après, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. J'espère. Moi, je pense que on verra, mais il faut accepter l'autre. Je pense que il faut pas, il faut sortir de cette. On a des points de vue comme ça, tu vois, très. Très, très biaisés, très dirigés, qui sont liés à l'histoire et tout ça. Ils se disputent pour des choses qui étaient là il y a 30 ans. Ça serait bien qu'on vive un peu le présent.
on vive le présent et le futur au lieu de... Ce qui est marrant, c'est qu'on ne parle pas du tout d'architecture finalement, mais de manière sous-jacente, c'est très présent. Et que vous me disiez si bien, là, on ne peut pas faire d'architecture sans politique. Alors, politique avec un grand P, hein, on est d'accord, on ne parle pas de politique politicienne. Bah, mais on voit bien qu'il y a... Olivier, moi, je suis... Pardon. Olivier, moi, je suis quand même... Je travaille sur Bordeaux, je suis urbaniste, donc j'ai un peu d'expérience comment on fabrique un quartier, une ville, ou en tout cas, et donc je vois que dans un pays qui est développé comme la France, il faut un appui politique, il faut une vision, il faut que tu sois soutenu pour arriver à bouger les lignes et à faire que, à ne pas tomber dans le générique et ne pas tomber dans l'économie. Et ne pas que ce soit les promoteurs qui fabriquent un quartier, c'est politique tout ça. C'est-à-dire que c'est la politique et c'est l'État qui doit garantir une vraie liberté, une vraie citoyenneté, que la place de tout le monde est là. Ce n'est pas ni un architecte, ni un urbaniste, ni un promoteur. Donc tant que cet État-là ou cette vision-là n'existe pas, c'est très... OK, on peut reconstruire, ça c'est oui. Moi je vous dis, on a besoin d'espace, on a besoin d'espace public et tout ça, mais ça serait un peu déjà trop tôt par rapport à ce qui nous arrive. Pourquoi c'est trop tôt? Qu'est-ce qui manque exactement? Qu'est-ce qui fait que ça ne prend pas, que les gens ne pardonnent pas, qu'est-ce qui fait qu'il manque quelque chose pour pouvoir se mettre à prendre le pays en main et à le réparer? Parce que ce qu'il y a de plus, le Liban est mort, mais ce qui est plus difficile encore, en tout cas Beyrouth a été touché, c'est-à-dire vraiment en plein cœur, mais ce qui est encore plus difficile, c'est qu'il n'y a pas eu de deuil. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de deuil, on ne peut pas reconstruire. Et il n'y a pas eu de deuil, il n'y a pas eu des journées de deuil, il n'y a pas eu des... Je parle de l'État hein, qui vient, qui s'occupe vraiment, où on sent une volonté politique qui dit, voilà, on est là, écoutez, où on s'excuse. Il y a eu un problème, personne ne s'excuse, personne ne dit, c'est ma faute, personne n'est jugé. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas eu de deuil, je pense que c'est ça qui fait plus souffrir encore et que la mort en elle-même, parce que, bon, elle est morte, on essaye d'aller de l'avant, mais il n'y a pas eu de deuil. Et donc, ils sont en train de voler le deuil des gens, le deuil de... Et ça, tant qu'il n'y a pas ça, je ne pense pas que... Et d'ailleurs, c'est le même problème, parce qu'après la première guerre, il y a eu le pardon général. Et je pense que c'est ça, je pense que c'est ça le gros problème. C'est-à-dire que chaque parti... Chaque confession s'est rétractée, s'est mise dans son coin, et il y a le pardon général, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout est permis et personne n'est jugé. Et voilà, c'est un peu au plus fort et à l'économie qui fait que... Et donc, on sait tous que la ville ne peut pas se construire comme ça. Alors, vous parlez du deuil, justement, mais quelle est l'importance du deuil après ce genre de drame pour un urbaniste ou un architecte? Le deuil, ce n'est pas juste pour un urbaniste ou un architecte. Le deuil, et là, par rapport à ce qui, par rapport à l'urbaniste et à l'architecte que vous êtes, pour construire, on va dire. Oui, mais le deuil, ça part d'un état. C'est-à-dire de dire, voilà, on écoute ce qui arrive, parce que c'est une catastrophe qui est arrivée à cause des problèmes. Elles sont où les problèmes? Comment on va les résoudre? Quelle est notre vision? C'est ça faire un deuil, pour ne pas que les problèmes se répètent. Sinon, chacun pour soi, et on continue à construire comme on construit. Vous avez montré une image avant, après l'explosion, mais il y a une image qui est avant, voilà celle-là. On montre quand même que, après, moi, c'est-à-dire, c'est devenu une addition d'identité. C'est une image qui représente le Liban, qui représente cette société, qui nous représente. C'est-à-dire que chaque particulier construit dans son terrain, il se ferme sur lui-même et on a une addition d'identité. Et ce qu'il y a entre,
on essaye de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir entre. C'est ça, ça montre exactement ça. Est-ce qu'on veut ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est-à-dire que si il y a une vision d'ensemble qui vient dans les espaces publics et que l'architecture soit une addition de projets, pourquoi pas? Je suis preneur. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur au moins des espaces où on peut se rencontrer, où on peut discuter, où on peut avoir un peu de silence, parce que l'espace public, c'est le lien entre l'individu et la société dans laquelle il se trouve. S'il n'y a pas ce lien-là, on ne peut pas être relié à la société. Et donc, ça fait que, voilà, on arrive à des catastrophes. Cette image-là montre Beyrouth. Il y a une autre image. Non, ouais, voilà. Celle-là, par exemple, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que tout d'un coup, on voit la reconstruction, par exemple, de Beyrouth ne peut pas avoir une vision juste spécifique sur Beyrouth. On voit que le Liban est très petit. Là, on est à 10 minutes en voiture de Beyrouth. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces montagnes? Est-ce qu'on garde ces densités? Est-ce qu'on les préserve? Parce que ça aussi, on a une montagne en ruine. Ce n'est pas juste Beyrouth qui est en ruine. Ces montagnes-là sont en ruine. La mer, elle est en ruine ici. Donc, en fait, la bombe, elle vient montrer, je veux dire, un état qui existe déjà. C'est ce que je vous ai dit. On est dans un pays qui est presque mort et on vient juste nous annoncer que là, il est mort. Mais quand on voit ça, il faut préserver ça. C'est-à-dire qu'il faut décider, on ne peut pas reconstruire Beyrouth si on n'a pas des zones comme ça où on dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait des montagnes? Parce que c'est les deux seuls référents qu'on a. C'est la montagne et la mer. Ce qui fait notre patrimoine, c'est le seul qu'on a. Et Alors, ce qui fait notre richesse. j'ai une petite remarque de Mathieu Poilevin que je lis comme ça, un texto. Youssef, ta parole est belle et vraie, est libre et vraie, pardon. C'est rarissime, c'est beau à pleurer. Bon, voilà, c'était une petite parenthèse. Mathieu, c'est mon ami, donc Ouais. c'est biaisé. Non, mais j'ai une question. Après, j'ai d'autres questions. Une question de Sabrina que je vais vous poser, mais j'en ai une personnelle qui est un peu la suite de ça. C'est finalement, quelle pourrait être la place du paysage dans cette reconstruction? Parce que le paysage, c'est ça qui fait un peu le lien. Et je sais que ça vous est cher, cette notion de paysage, Oui, paysage bien urbain, sûr. paysage végétal. Finalement, est-ce que ce n'est pas une question surtout de paysage? Elle a tout à fait raison. C'est-à-dire que je pense que, vous savez, quand j'ai abordé Bordeaux et le quartier de Brazza, vraiment, c'était par mon expérience à Beyrouth. C'est-à-dire j'ai utilisé l'imprévu et le paysage pour dire que le paysage, dans un monde où tout ce qui est physique, morphologique, peut donner une connotation, surtout au Liban. C'est-à-dire, ah, il a des références orientales, ah, il a des références occidentales. Le paysage, il est juste là. Il n'a aucune référence, il est là. Donc, je me suis dit, ça peut être une réflexion sur le paysage peut être intéressante comme espace public. En tout cas, qui vient et qui crée du lien social. Et on le voit à Hyde Park ou Central Park, ça marche. C'est-à-dire que ça marche. Et donc, l'idée, oui, je pense, et d'ailleurs au Liban, franchement, ce qui nous sauve jusqu'à maintenant, c'est la montagne et la mer. C'est dès qu'on a envie de souffler, on se met au bord de la mer, on souffle, ou on monte, on disparaît dans les paysages des montagnes. Donc, oui, c'est le paysage, je suis entièrement d'accord. C'est le moment, malheureusement, pour dire que oui. Je pense qu'il peut créer un lien social, il peut créer un poumon de respiration à Beyrouth et il peut valoriser ce qu'on a. C'est-à-dire que parce que, vous savez, quand vous construisez une ville par de la pierre, donc comme si vous donnez l'exemple qu'il faut mettre de la pierre un peu partout, c'est-à-dire vous donnez l'exemple de la pierre.
Et ça y est, tout le monde veut avoir son immeuble en pierre, il faut reconstruire, même dans les montagnes, en pierre. Et là, si on valorise le centre et par le paysage, je pense que tout le monde va faire plus attention dans cette montagne-là ou ailleurs au paysage. Mais je pense que oui, c'est à mon avis, c'est un point de vue très important de partir par le paysage parce qu'il est, comme je vous ai dit, il n'a pas de connotation symbolique, religieuse ou je ne sais pas quoi. Et donc, voilà. Il Oui, peut c'est ça. Mathieu être. Poitevin dit, est-ce que c'est pas plus la géographie ou la topographie? Ben, c'est les deux. Quand on parle de paysage, on parle de géographie et de topographie aussi. Oui, c'est On ne ça. parle pas juste de végétation, hein. On parle de rapport à la mer, rapport à la montagne, au ciel, au soleil. C'est ça un vrai paysage. C'est tout, quoi. C'est comme l'exemple de Londres. Londres, une ville qui est reliée par le paysage. Donc, on s'ennuie. Londres, vous vous baladez 10 heures de suite, vous vous ennuyez jamais parce que vous êtes toujours dans un paysage qui vous relie avec le Hyde Park, avec les parcs collectifs, avec les jardins des Mews, avec le rapport bas, haut, au ciel, au soleil. C'est ça un paysage, Ouais. c'est tout ça. Alors, question de Sabrina SZ. Alors, bonsoir Youssef. Certaines personnes issues de la bourgeoisie parlent de la reconstruction du patrimoine culturel libanais et que c'est difficile à trouver des financements. Qu'en est-il de la reconstruction de l'habitat de la classe pauvre et moyenne? C'est très difficile de répondre à cette question. Évidemment, il faut reconstruire le patrimoine libanais parce que pour dire que voilà, la mémoire, elle est importante parce que et même c'est des histoires, c'est des gens, c'est un mode de vie qui émerge de cette de et il faut il y a, c'est vrai, une bourgeoisie qui a jamais et tout, et elle est importante. Et donc, oui, il faut les. Ce qui est dangereux maintenant, parce qu'on est dans une situation économique qui est très difficile, et donc, qu'on puisse pas les rénover. Et donc, là, après, on est obligé de vendre, et on sait que la densité là-bas est plus haute et donc on va se retrouver avec des immeubles. Donc c'est tentant. Et donc ça, il n'y a que l'État qui peut dire, écoutez, ce n'est pas un privé qui va réfléchir à l'histoire et à la mémoire d'une collectivité. C'est l'État qui doit prendre ça en considération. Et pareil pour le logement social. C'est évident qu'il faut faire du logement social dans le sens. Par exemple, au Liban, quand on parle de logement social, c'est péjoratif. Pourquoi? Au contraire, c'est la meilleure. Il faut travailler ça. Il faut changer la façon dont on voit les choses. C'est-à-dire qu'il faut faire du vrai logement social pour les gens qui ne peuvent pas. Évidemment, c'est-à-dire que. Mais tout ça, j'entends qu'on a beaucoup d'aide de l'étranger. Des associations de l'étranger pour le gouvernement. Je pense que s'il y a des aides dans ce sens, il faut vraiment que ce soit bien distribué pour que les choses. Il faut en même temps une vision globale et du spécifique. Il faut faire vraiment du porte-à-porte. Même dans toutes les villes et dans tous les quartiers, maintenant, on ne peut plus faire du générique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire du spécifique et en même temps avoir une vision de qu'est-ce qu'on veut garder et où on veut aller, quoi. Alors, justement, je trouve que souvent les architectes s'expriment, vous faites là, de manière assez forte, mais aussi par l'architecture. Les architectes s'expriment quand même surtout bien par l'architecture. Et je voulais qu'on partage un peu quelques projets qui sont assez forts en termes de justement. Non, moi j'ai mis juste des images parce que j'ai pas envie de parler des projets, Non, mais mais. je veux parler juste
Voilà. des images comme quoi on lutte, en tout cas moi depuis maintenant 20 ans, sur comment donner du sens à ce que je fais et comment à chaque fois que je construis, c'est une action politique dans le sens où j'essaye de mettre des valeurs et en tout cas une vision de ce, comment je vois le quartier, la ville et tout ça. Et donc, quand je montre des immeubles, par exemple l'immeuble, celui-là, c'est un immeuble qui a été conçu, même si c'est conçu par un promoteur, mais même avec les promoteurs, puisque là-bas, on n'a pas le choix, il n'y a pas des immeubles qui sont faits ou des programmes de logements sociaux qui sont des concours d'État. Donc, on est, même avec le privé, on peut toujours essayer de jouer le rôle de ce manque d'État et de vision qu'il y a. Par exemple, l'université Saint-Joseph, on peut revenir là-dessus. C'est celle du début, hein. Oui, celle du début, par exemple, on voit que cette université, elle a été conçue juste à travers le vide. On l'a faite il y a maintenant 15 ans, 17 ans à peu près, je sais plus. Donc, quand on l'a imaginé, on a essayé de se vivre ensemble. Et c'est pour ça que j'ai effacé les références. Je veux dire, on est dans un monde abstrait, c'est-à-dire qui en même temps te rattache au territoire par ses failles, et l'usage devient important. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des images, et c'est pour ça que on l'a travaillé par le vide, on l'a sculpté. Ça a failli faire une. On sortait de la guerre et j'étais obsédé par cette idée, comment on peut vivre ensemble. Et quand on a eu cette chance de faire une université, tout de suite, l'idée de dire comment on peut s'ouvrir déjà à l'extérieur, comment on peut devenir un espace public et comment on peut créer un lieu qui peut accompagner cette diversité. Et les programmes sont tellement différents que quand j'ai commencé à discuter avec eux, j'ai vu tout de suite qu'on va retomber dans des négociations qui ont provoqué presque la guerre au Liban. Donc c'est pour ça qu'on l'a travaillé par le vide, par les lieux d'échange, par ça. Donc même en tant qu'architecte ou urbaniste au Liban, je ne sais pas si on peut travailler, parce que là, la politique, c'est impossible, mais en tant qu'architecte, on peut toujours essayer, en tout cas, de s'ouvrir, de mettre, de dire voilà ce qu'on veut pas. On le voit par exemple dans les maisons. Les maisons, je les appelle des structures d'habitat. On ne sait pas par où on rentre, elles ne se voient pas. Pourtant des maisons de bourgeois. Et j'ai essayé de dire voilà, avec la personne, comment on peut travailler pour que. Une chose m'est revenue quand j'étais jeune chez ma grand-mère, c'est qu'on pouvait rentrer de partout. Et donc, ce qui fait que l'image de la maison disparaît, c'est l'image de l'accueil, c'est l'image de cette ouverture, de cet échange qui devient important, et des lieux comme ça qui sont transformés et qui changent au fil des saisons et au fil des temps. C'est-à-dire, un jour, on a envie d'habiter là ou de manger ici, un autre, on a envie d'habiter ailleurs. Et donc, c'est ça c'est créer des potentialités, de créer des lieux d'échange, de créer des moments de silence, plutôt que de parler de maisons et de villas et de tout ça. Donc, c'est des structures d'habitat. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers. Donc, chacun, à travers son travail, essaye de créer un mode, on va dire, d'engendrement ou donner envie ou dire, voilà, c'est possible. C'est possible de respecter la nature, c'est possible de convaincre une personne de ne pas rentrer et de ne pas casser 40 000 arbres parce qu'il veut un parking pour 200 personnes et il veut arriver en parking, tourner, montrer sa maison. Donc c'est tout ça, ça paraît ridicule par rapport à ce qui se passe en ce moment à Beyrouth, mais c'est le seul moyen qu'on a chacun de se battre comme il peut, dans ses propres limites, à dire. Voilà, on éduque, on essaye, on y croit, on se bat, on change les règles et on montre d'autres perspectives parce que ce qui est très difficile, c'est de dire on ne peut pas changer. C'est comme ça. Voilà.
Et on a d'autres projets qui illustrent bien, vous avez fait d'autres travaux qui illustrent bien justement cette. Ben, si vous allez un peu au fond, on voit comment à la fin des. On voit quelques. Pas à la fin, on voit comme ça des plateaux. C'est-à-dire que ça, c'est une structure, par exemple. Même la relation à l'extérieur, c'est une partie du salon qui sort et qui va chercher l'extérieur. On voit l'image d'avant. Qui ramène la ville à l'intérieur. Donc, c'est tout cet échange, cette porosité, moi, qui m'intéresse, et comment se fondre dans un paysage tout en gardant son intimité. Parce que c'est les deux qui sont intéressants toujours. C'est la limite entre les deux qui est intéressante. Mais si vous allez jusqu'au bout un peu. Mais voilà. Voilà, ça c'est par exemple une maison, on voit qu'elle ne se voit pas. Ce n'est même pas un carré. J'ai essayé de ne pas avoir même une forme, de dire, voilà, on est dans un paysage, on devient une caisse de résonance, on n'est même plus dans la forme. On ne veut même pas donner certains symbolismes ou certaines connotations. Donc, vous pouvez continuer si. Après, donc on voit que c'est une structure, mais on continue. Voilà, celle-là, par exemple, on ne la voit pas de la rue, on ne la voit pas juste, on la voit que quand on la vit. Et c'est vraiment, ça paraît ridicule par rapport à ce qui se passe au Liban, et je ne voulais même pas montrer ça, mais c'est juste pour dire que chacun à son niveau peut travailler sur cette ouverture, sur ce. Vivre ensemble sur cette façon de changer le regard. Celle-là, par exemple, elle ne se voit pas. Et donc, c'est une bataille pour faire une maison qui pour une personne où on est dans une société, il faut la mettre où on est dans une société où chacun, on lui demande tout de suite d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait ton père, c'est quoi ta religion et tout ça, d'être tout de suite absorbé par de l'usage, voilà, on ne la voit pas de l'extérieur. C'est juste une fois qu'on est à l'intérieur, là c'est vu de drone, mais quand on est en bas, on ne la voit pas. Donc, c'est pas, il faut se mettre dans le contexte libanais qui a provoqué, à mon avis, cette guerre et qui a été stimulée par une guerre d'ego et d'image et d'identité. Chacun à son échelle peut contribuer à ce que ces choses-là et cette image-là peut disparaître en fait, et qu'on accueille l'autre et après on voit et on discute et on voit. Là, c'est autre chose. Ça, c'est il y a 6 ans, c'était pour faire un disaster center, ce qu'on appelle un peu en cas de guerre. Les banques doivent mettre leurs données dans un lieu sûr. Et donc, pour moi, ce n'était pas possible que de ne pas représenter un bunker. Parce qu'en temps de guerre, il ne faut pas faire. On est encore. C'est-à-dire, nous, et ma génération, elle a vécu la guerre. Et donc, il faut faire abstraction, encore une fois. On rentre, et une fois qu'on est dedans, on avait des moments inoubliables la photo d'après. On avait des moments inoubliables dans les parkings parce que le temps s'arrête. Le temps s'arrête, les représentations sociales s'arrêtent et c'est là où on est bien. On est bien et on prend le temps et on est dans le présent. Et ça, c'est rare. C'est impressionnant et c'est fort de puissance parce que il y a cette notion, cette volonté de garder l'image du bunker, donc une architecture quand même assez connotée, mais en l'intégrant avec une forme de poésie, de douceur, dire qu'en gros la courbure n'est plus là pour mieux se défendre par rapport aux éclats de balles ou d'obus, mais pour incarner la douceur. Donc c'est. On a l'impression qu'il y a une espèce de contraste un peu, ou en tout cas d'opposition entre à la fois l'architecture de guerre et à la fois l'architecture de douceur.
Oui, parce que moi, ma première conférence, il y a 20 ans, je l'ai appelée béton doux. Ah ben Exactement. voilà. C'est-à-dire que, oui, parce que c'était en même temps le béton me protégeait, en même temps, je cherchais une douceur, même dans les cas les plus extrêmes. Et on est un pays qui a un climat qui est très doux. Les gens sont doux. Il y a beaucoup d'espoir. C'est-à-dire que, c'est un pays qui a beaucoup de qualités et il y a beaucoup de douceur de vie qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et c'est pour ça que je ne voulais pas stigmatiser. Et c'est cette contradiction et ces oppositions qui nous suivent tout le temps, partout, qui font que le Liban, c'est le Liban. On est tout le temps l'un et le contraire, tout le temps. Mer et montagne, tout le temps. Et c'est ça qui nous caractérise. Mais je pense qu'on aimerait avoir plus de douceur en ce moment que d'intensité, voilà. En tout cas, cette dernière image, je trouve, résume bien ce propos. Voilà, une forme de douceur. On voit, elle est de loin et un peu dans la pénombre. On voit un peu une forme de cliché et cette presqu'île comme ça, ce pic qui va tout morceler. Et quand on sait tous les drames qu'elle a subis, bon, Non, on a envie de la cajoler, on a envie de la consoler un peu, cette ville. Beyrouth, c'est un imaginaire. Hein. Elle est au-delà, on ne peut pas la tuer. Elle est tellement dans l'imaginaire de tout le monde qu'on ne peut pas la tuer. Il se trompe, je pense. Voilà, c'est vraiment un imaginaire qui est ancré partout. Il représente la guerre pour des gens. À Bordeaux ou à Marseille, ça représente le chaos pour des gens au Brésil, ça représente une douceur de vie pour des gens, je ne sais pas où. C'est un imaginaire commun et collectif qui est assez fort. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Faut travailler sur cet imaginaire et cette beauté-là et pas sur des petites choses qui nous différencient, quoi. En tout cas, ben merci. Notre entretien touche à sa fin et je vous remercie beaucoup pour cette sensibilité qu'on connaît de vous, mais surtout cette attention aux choses fines, aux choses intimes de l'architecture, de la ville. On a parlé quasiment autant du paysage et son impact avec la politique que l'architecture, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir aborder tous ces aspects qui fabriquent une ville. Et ça, j'en suis très heureux qu'on ait pu aborder ce sujet-là ensemble, là, ce soir. Je pense que c'était un moment très fort de vous entendre avec vos tripes, avec vos sentiments, avec votre manière d'exprimer à la fois cette douleur et à la fois cet espoir de reconstruire quelque chose, cet espoir qui va être compliqué à atteindre. C'est vrai que ces choses ne sont pas roses. L'avenir n'est pas forcément garanti. Mais enfin, le bel avenir n'est pas forcément garanti. Mais voilà, je pense qu'on est quand même sur des notes d'espoir, sur une forme de douceur pour cette ville qui en a largement besoin. Merci. Merci, merci. On se donne rendez-vous donc la semaine. Alors pas la semaine prochaine, donc on va laisser passer un peu de semaines. On va se donner rendez-vous pour d'autres voies inédites. On vous communiquera le programme donc au fur et à mesure. Vous pouvez rester bien entendu sur la page Facebook de la Maison d'Architecture et rester à l'affût des programmes. Alors ensuite, c'est diffusé un peu sur les comptes Facebook de tout le monde. C'est vrai que ça passe beaucoup par Facebook et Twitter et Instagram aussi, pas les réseaux sociaux parce qu'on s'est rendu compte que finalement, bah, c'est ce qui est le quotidien. Alors voilà, on utilise ce moyen-là et restez bien à l'écoute et du programme. On continue hein, les voies inédites. Ça sera dans 3 semaines. Et d'ici là, je souhaite bah, de passer une agréable semaine. Et merci encore, Youssef Thomé, pour ce moment que vous avez parfait partagé. Merci. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir.
Ouais.